Salut tout le monde, c'est Taizo, on se retrouve pour le 18e épisode sur Call of Duty 2 sur PC. Donc la dernière fois on s'était arrêté avec John Davis, si je me trompe pas. On avait réussi à reprendre une partie de Caen en France. Et du coup là on s'apprête à faire la suite avec Captain Price. Et on va voir ça ensemble. Du coup n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, pardon. Et du coup on va continuer notre aventure. Donc si je me trompe pas, on était là, voilà, la bataille de Caen, on avait terminé cette mission-là, prisonnier de guerre, donc partir en connaissance dans la ville, etc., on avait terminé. C'est là où on avait réussi à avoir un char tigre, si je me trompe pas. Et du coup, on fait cette mission-là, les carrefours, prenez le contrôle des carrefours d'Anctoville et capturez la station télégraphique allemande. Du coup, c'est parti, let's go. Alors là, on a changé, on est sur un bloc-notes, pas maintenant. Sur un bloc-notes, parce que normalement on était sur un cahier. Alors, 12 juin 1944, 7h20, près d'Anctoville, France, forte pluie, 67... je sais plus comment on appelle ça, je pense que ça c'est par rapport à la pluie. Donc là on est le matin, contrairement aux autres épisodes. On a ramené les prisonniers américains au QG de la brigade de la nuit dernière. Donc ça c'était la mission de la dernière fois. Trois d'entre eux n'ont pas survécu à leurs blessures. Il y a quelques minutes, le capitaine Price a reçu nos nouveaux ordres. Nous devons détruire un poste de communication allemand dans la ville d'Anctoville, à environ 1,5 km au sud-ouest de la position où nous avons trouvé les Yankees. Nous devons aussi sécuriser les intersections de la ville, la 7e blindée, voulant que ces chars puissent avancer le plus tôt possible. Sergent John Davis, 7e division de blindée. Bon ok, bah, let's go, c'est parti, on va aller faire ça. Et on va essayer de faire un bon gameplay aussi. C'est parti. Ok. Ok, bon, là c'est la suite là du coup si j'imagine. Ouais. Ok. Oh, on dirait on est à Londres, on dirait. Ça me fait penser un petit peu à quelques endroits, mais des maisons comme ça. Ok. Là. On va passer par là. J'en ai sur le côté. Où ça? Oh! Une embuscade. Ok, ok, on va sécuriser ce bâtiment. Ah oui, il fallait mettre 3 coups. Hein. J'ai réussi à l'avoir en 3 coups. On les a eu, c'est bon? Ouais, on les a eu. Vas-y, c'est bon, on peut y aller. On va passer par la gauche là pour contourner le MG42. Là. On touche pas, toi. C'est un fou, lui. Attends, je t'ai eu. Et voilà, c'est une grenade, sans forêt. Raté. Et je vais l'avoir à la mêlée. Hein. Oh, on va essayer de les avoir. On va passer par là. Putain, il y a un char tigre encore. Ok, juste au-dessus du bâtiment, normalement, il y a un truc anti-char. Déjà, on va éliminer la blindée déjà. Enfin, le blindé. Mais tout ce qui est. Allez, lui, on va l'avoir lui aussi. On va tous les avoir la mêlée. Hein. Je crois qu'on a tué tout le monde. Hein. Ouais. Wow, on est en train de fumer, mes potes là. On va essayer de l'avoir. Le pargeon Shrek, c'est juste ici. Allez, sur le tot. Ici. On l'a eu là? Du premier coup? Yes! Du premier coup, on l'a eu. Ah, franchement, j'ai. Je suis impressionné comment ils ont bien fait l'animation sur les mecs, ils étaient sur le char et tout. Ils étaient en train d'avancer avec lui. Franchement, c'est comme dans les films. Comme bien fait. Du coup, on va récupérer notre arme, nous. Hop. Donc, on a, c'est la Lee Enfield. Donc, nous, on avait ça. Et on a encore des munitions avec le Sten. Le Sten. Donc, l'arme que j'ai dans les mains, c'est une arme britannique. Ça s'appelle le Sten. Sten. Ok. Ok, on va passer par là. Ils ont pas peur les Allemands. Il y aurait ouf. Il est fou ces mecs. Là c'est une grenade. On touche pas à toi. Je voulais grave l'avoir. Après je l'ai eu, je crois, non. Après, je l'ai eu. Ah non, même pas. Il en restait un. Ah j'aurais plus de munitions, il faut que je récupère des munitions sur eux là. Il faut que je leur vole des munitions. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui parlait là tout à l'heure, il y avait un Allemand quelque part. Juste là, oula, il a lancé une grenade.
Putain, mais le recul de cette arme, il est affreux, il est dégueulasse. Je vais essayer toutes mes grenades là, ça ira comprendre. Touche pas quoi, c'est toi. Ah, ils sont vivants quand même. J'ai lancé 4 grenades, ils sont tous vivants. Vas-y, on sort par là, allez. Ça, on a nettoyé ici. Où ça? Oh oh, juste là. Je l'ai mis plusieurs coups, il est pas mort. Hein. Ça c'est ouf ça. Ils sont forts à la mêlée, hein. Ils veulent pas du tout. Hein. Tiens, je crois qu'il y a un mec là-bas là, qui me tire dessus. Attends, je t'ai eu toi. On continue, c'est ça? Quoi? Oh merde! Comment on va faire pour l'avoir là? J'avance. Oh! Je crois que ça tire par derrière, je crois. Je crois qu'il y a un de nos potes qui me tire par derrière, non? Allez, pouvez l'avoir. Allez, allez, pouvez l'avoir, les gars, pouvez l'avoir. Vas-y, mon gars, vas-y, mon gars, vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars, vas-y, mon gars, vas-y, vas-y, vas-y. Yeah, mon gars! Là, c'est mon gars, ça, comme dans les films. C'est incroyable. Vas-y, on avance, on avance, on avance. C'est mis par terre, hein. C'est des... Enfin, on les voit même pas par terre. Vas-y, on continue à avancer parce que sinon on va se faire canarder là. Et on continue, on continue, on continue. Tiens, voilà, c'est des grenades. Attends, on va passer par là. Est-ce que ce bâtiment est vide? Au premier étage, on va voir s'il n'y a pas des pièges ou il n'y a pas encore des soldats qui errent. Non, il n'y a personne. Ça va pas aller. Fermez-la, fermez-la, c'est ouf. C'est ouf. Putain, on lance une grenade, ce bâtard. On va jouer avec l'Alien Enfield. Attends, je t'ai vu. La chaîne, ok, pardon. Putain, le mec est juste là, là. Attends, je t'ai eu. Toi, je t'ai eu. Toi, je t'ai pas eu. Toi, je t'ai pas eu, toi aussi. Toi, je t'ai eu. Je t'ai eu. Ouais, il me tire en même temps eux aussi. J'esquive, 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 j'esquive. Je t'ai eu. Il y en a combien là qui repop là? Et je l'ai eu. Ils sont en train de me filmer là. On va jouer avec l'MP40. Il se replie, il se replie, il se replie. Vous allez où là? Allez, l'enfoiré. J'aurais pu l'avoir. Cette ferme est idéale pour contrôler l'intersection. Prenez quelques hommes et allez inspecter cette ferme. Ok, ça marche. Capitaine Price. Ils ont pas de mission qui peuvent me passer là? Allez, allez. C'est dommage qu'on peut pas courir. Un peu dommage. Ça n'y va. Allez, en pleine tête. T'es sûr? Oh, grenade, 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 grenade. Oh, pardon. Ouais, bah oui, faut pas se mettre devant moi, frère. Wow! Ça m'a fait hyper peur. Il y a une grenade, il y a une grenade. J'ai une grenade au-dessus, là. Non, non, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Voilà. Putain, je me suis trompé avec mes grenades. Que du n'importe quoi. Et on l'a eu, lui. Faut monter, faut monter, faut monter. Maison sous contrôle. T'es sûr? Bon, maintenant vérifier dans la grange. Ok. Ah, si, si, on a réussi. Hein. Fouillez la grange pour trouver des radios ennemis et mettez-les hors service. Ok, ça marche. Fouillez la grange pour trouver des radios ennemis et mettez-les. Ok, ça marche. Pas de soucis. Je crois qu'il y a une MJ42 qui est juste là, là. Oula, elle est bien rentrée celle-là. Je sais pas si elle est bien rentrée. Ok, j'ai eu les radios. Je viens d'avoir juste là à l'instant là. Dans la tête.
Pourquoi ils se sont... Mais à chaque fois, ils fuient. C'est ouf, ça. Pourquoi tu fuis, bro? Y'a quelqu'un, quoi? Ah, il est juste là. On les a eus. Ouais, on les a eus. Détruisez l'équipement. Et ben, ils arrivent par là. Bah, qui viennent. Moi, je vais mettre 42 là. Ok, ça marche. Pas de soucis. Oui, bah, s'il se met derrière aussi la caisse, je peux pas l'avoir. Hein. Allez, la sort de ta cachette. Ah, ils arrivent par... par la végétation à droite, là. Ils arrivent par là, là. Ah, les poteaux, ils sont là, non? Ah non, c'est pas des poteaux, C'est des poteaux ennemis, ça. Ils sont juste là. Hein. Ça marche. Putain, on est en train de les fumer. Putain, le lancer une grenade ici. Oh! Mais comment ils ont fait pour rentrer, quoi? On va les terminer. On va peut-être les encore. Vas-y, attends, je reviens. Lancer des grenades. On va reprendre la MG42. Hop. Alors, on peut les avoir. Oula, il va m'avoir, Oulala. Où ça? Je le vois pas. Allez, juste là. Allez, on peut les avoir. Il est en train de canarder là. Il est juste là. Faut pousser la vague ennemie. Faire quoi là? Ah, mais ils sont juste là encore, hein. On reste jusqu'au bout, quoi. Allez, on va les liquider. Allez, on peut les avoir. Oh, bien wesh. Tu vas, toi. Ok, on les a eu. Ça marche, let's go. On va se regrouper. Ouh, la dinguerie, là, cette mission. C'est passé plein de trucs là. Hey. On doit escorter le convoi jusqu'à la prochaine ville. D'autres blindés Bosch ont été repérés au nord. Alors restez sur vos gardes. En route. Yes. Victoire. La guerre est une série de catastrophes qui se termine par une victoire. Georges Clemenceau. Bah plutôt cool. Elle a duré un petit peu plus longtemps cette mission, je pense. On a eu à combattre deux chars tigres avec des vagues d'Allemands qui venaient de partout. C'était plutôt pas mal cette mission. On s'est bien sorti. Bon, encore des problèmes de... L'MP40, elle est horrible cette arme. C'est horrible. Enfin, franchement, pas précise. En plus, il faut la remettre plusieurs balles et tout ça. C'est un peu dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne. Et merci. Et du coup, nous y à la prochaine pour l'épisode 20, si je me trompe pas, qui arrivera normalement demain. Voilà, tout simplement. Merci. Salut.